Je vais aussi vous mettre déjà les liens de ce petit appareil que j'ai acheté, les engrenages coniques et les roulements. Un tour, on va me faire un tour complet de la roulette rouge et va me marquer 1 sur la deuxième, donc comme ça indéfiniment. Donc j'ai remis le compteur sur mon volant, donc là je le tourne à droite, je le remets à 0, je le tourne à gauche et on voit que j'ai un tout petit jeu. Si on regarde la dent par rapport au trou, on voit que j'ai à peu près une dent de jeu. Elle va bouger d'une dent avant que le compteur se mette à tourner. Donc et ça c'est le jeu d'origine de mon volant. Il n'y a pas d'importance avec un volant classique, mais avec mon compteur c'est un peu gênant, donc je vais voir combien j'ai d'erreurs. Bon, pour mettre mon volant c'est vachement rapide, juste à le placer là-dedans. Et il est mis. Bon, alors en général, sur une toupie, vu que c'est standard, un tour de volant, c'est toujours une montée ou une descente de 2 mm. Là, je mets à 0. Si je tourne mon volant d'un tour, j'ai 20, donc 2 mm. Ça veut dire que les unités en rouge sont des dixièmes de millimètre. Bon, pour se repérer, c'est assez facile, vu que la taille du numéro est quasiment identique à au cadre de visibilité. Donc si je tourne d'une unité la roulette rouge, c'est 1/10. Là, j'ai 1/10, 2/10, 3/10. Bon, pour la régler aussi, je sais que j'ai un roulement externe de 50 dents. Mais 50 dents correspond à un tour, correspond à 2 mm. Donc 2 mm divisé par 50, ça fait 0,04. Donc ça fait 4 centièmes. Donc l'écart entre chaque dent, c'est 4 centièmes. Par exemple, ici, j'ai ma dent qui est alignée avec le trou de fixation. Si je la bouge d'une dent, ça me fait 4 centièmes. Et une demi-dent, c'est 2 centièmes. Je peux me baser sur les chiffres et ensuite me baser par rapport à un repère. Donc maintenant, je vais vous montrer par rapport au compteur digital. Comme j'ai du jeu avec le volant, je vais tourner à gauche. Je vais placer mon appareil en appui sur mon outil. Je mets à 0. Je mets à 0 ici. Je viens tourner dans la montée pour voir le jeu que j'ai. Donc vous ne voyez pas, je regarde sur le compteur. Là. À 2 centièmes, et ici j'ai 1/10. Donc à partir du moment où je tourne en sens inverse, j'ai une erreur de 1/10, donc j'ai juste à rectifier, quoi. J'ai juste à enlever ou à remettre 1/10. Maintenant je viens tourner à droite, je remets à 0. Je viens l'appuyer contre mon outil, je remets à 0. La montée de 1 cm. Donc là on a 1. Et là, magnifique. Je pile. Là, comme je vous ai dit, si je veux par exemple 5 centièmes, je vais le mettre au milieu, 0,1. À 5 centièmes près, là j'ai plus. 0,5, bon, j'ai un peu de chance, hein, parce que à l'œil c'est assez difficile de placer au milieu. Donc maintenant, si je veux bouger de 2 centièmes par exemple, normalement on ne travaille pas au centième, mais si je veux bouger de 2 centièmes, je devrais mettre mon creux à la position du sommet de ma dent ici. Comme ça, plus ou moins. Ouais, là ça a bougé. De 1, j'ai juste 0,6, mais bon. Mais j'ai dû couper cette pièce. Il n'y a aucun effort sur cette barre. On pourrait enlever le support ici et fixer le volant directement dessus, il n'y a aucun problème. Ça va tourner, sauf que l'axe va bouger dans tous les sens. Mais là, il n'y a pratiquement pas d'effort. Donc moi, je l'ai coupé à ras ici. Ici, on a pratiquement 1 cm d'épaisseur sur tout le reste du tour. Impossible que ça bouge, impossible que ça casse, il n'y a aucun effort, quoi. Bon, ça c'est sur ma Damato-machine. Bon, toutes les machines ont à peu près le même principe, hein. Je pense que sur toutes les machines, vous pouvez faire ce système de volant. Bon, il est un peu grand, il fait 20 cm. Donc, il faut avoir la place. Moi, ça passe juste. Ici, il faut savoir que j'ai la table de sortie de la toupie. Je l'ai enlevée pour vous montrer le mécanisme. Je vais la remettre. Donc mon volant vient juste passer entre tous les supports, là, entre le dessous de ma table, les montants ici, sans aucun problème. Mais c'est vrai que c'est un peu volumineux, quoi. Moi, ça me gêne pas.